En fait, tous les métiers sont représentés. On a aussi bien les Aveyronnais que les gens qui ont parcouru le monde entier. Je suis Vincent Lassier, donc je suis gérant de la société ITA Moulding Process à Sèvrac-le-Château, donc situé au cœur de l'Aveyron et au cœur de l'Occitanie. On fabrique des composants de sièges. Donc à base de mousse moulée et à base de bois moulé. Donc le bois moulé, c'est des plaquettes qui viennent à une centaine de kilomètres de l'usine et que l'on broie et que l'on agglomère avec uniquement 4% de colle et sans formaldéhyde, qui vont se retrouver dans les sièges de bureau, sièges de cinéma, qui vont se retrouver également dans les ourdis de construction. Et donc on fabrique des complexes en bois ou en mousse où les gens en général s'assoient. Sur la mousse, on investit massivement, donc on est très impliqué dans le localement et dans notre démarche RSE. On a changé tout notre procédé de moulage qui nous a permis en fait de sortir du classement Seveso en doublant notre capacité industrielle et en utilisant beaucoup moins de solvants. Donc à ce titre-là, on est assez innovant et sur le bois moulé, on est en train d'industrialiser, d'avoir une nouvelle presse à bois moulé qui va elle aussi consommer moins d'énergie et permettre de fabriquer un entre-vous qui aura un impact carbone négatif. Alors aujourd'hui, on emploie tout type de salariés. Ça va de l'agent de production au technicien de moulage, à l'ingénieur qualité, à responsable maintenance ou responsable back-office, développement export. En fait, tous les métiers sont représentés. À Sèvrac-le-Château, on a aussi bien les Aveyronnais que les gens qui ont parcouru le monde entier. On a 7 nationalités sur un effectif de 80 personnes, ce qui est plutôt pour moi une réussite. Les avantages d'être implanté en Aveyron, c'est qu'en fait, on est aligné avec nos valeurs. Dans le respect, la cohésion et surtout la détermination. La détermination parce qu'il y a un écosystème dans l'Aveyron, soit avec l'ensemble des collectivités, ce qui nous permet en fait d'aller beaucoup plus vite dans beaucoup de domaines. On a démarré une quinzaine de personnes il y a moins de 10 ans, maintenant on est 80. Et on a dans l'Aveyron beaucoup de pépites d'entreprises qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et un écosystème qui fait qu'on a une attractivité du territoire. Alors on parle du Covid, mais bien avant cela, on a beaucoup de gens qui sont venus s'installer en Aveyron pour la douceur de vivre et surtout pour travailler dans des entreprises de pointe. L'écosystème, c'est un, tout simplement la quiétude, c'est-à-dire que quand on vient s'installer à Aveyron aujourd'hui, on considère dans notre entreprise, dans notre groupe, qu'en fait, on est recruté. C'est-à-dire, en marque employeur, on considère que ceux qui viennent travailler chez nous, c'est eux qui ont choisi et pas l'inverse. Et donc, on bénéficie dans l'Aveyron d'être dans un département avec des diversités de paysages, une installation assez rapide, vraiment une quiétude et aussi beaucoup de pépites qui permet en fait de partager les savoir-faire. La tenacité, c'est-à-dire qu'on a démarré donc effectivement il y a une dizaine d'années hein, et donc on est parti à une quinzaine. Depuis aujourd'hui, on parle de crise. En ce moment, on peut parler de crise politique après avoir eu une crise, une épidémie, une crise énergétique. En fait, de tout temps à jamais, les crises, c'est là où en fait on découvre les entrepreneurs. Un entrepreneur, il doit résoudre des problèmes qui existent. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc, surtout, c'est la ténacité, la résilience. Et on a beaucoup de chance actuellement, c'est qu'on a des générations qui arrivent, qui entreprennent de plus en plus, surtout en plus des business models durables. Pour moi, les deux qualités qu'il faut, c'est un, la résilience, et la deuxième, c'est avoir une perspective dans le temps avec un engagement local.